Cette vidéo est une publicité pour Splash Toys. Les amis, aujourd'hui j'ai envie de voir de la couleur partout, partout, partout. Elles sont tellement bonnes ces fleurs. Ah, ce canapé est confortable, mais il n'est pas coloré. Il n'y a pas de couleur dessus, il n'y a que du jaune. Il me faut de la couleur. Et voilà, c'est beaucoup mieux avec des coussins roses. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Cette baignoire est magnifique, mais pareil, il manque de la couleur. Ah, j'ai une idée, je vais ajouter quelque chose de coloré. Voilà, ça va être beaucoup mieux avec ces boules colorées. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et cette cuisine, elle est triste. Qu'est-ce que je pourrais faire pour la rendre joyeuse avec plein de couleurs? Mais j'ai une idée. Voilà ce que j'ai trouvé. Ça va être beaucoup mieux comme ça. La cuisine est beaucoup plus joyeuse maintenant. Ma nouvelle mission, c'est de rendre joyeux tout ce qui est triste avec mes feutres de couleurs. Mais qu'est-ce que je vois? C'est les baskets tristes de Chelsea. Bon, je dois arranger ça. Bon, allez, on y va. Mais j'ai l'impression que j'entends quelqu'un qui arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je t'ai décoloré tes chaussures parce qu'elles sont toutes blanches. Bah oui, elles sont blanches, bah je les aime comme ça. Pourquoi tu veux les colorer avec tes feutres? Bah parce qu'il faut de la couleur, Chelsea. Bon, si tu veux colorer des baskets, il faut utiliser cette boîte Sneak Arts. Comme ça, tu customises tes baskets. Wow! Oh, merci beaucoup, Chelsea, j'adore. Allez, tu t'occupes avec ça et pas mes baskets. D'accord, Chelsea. Qui n'a pas rêvé d'avoir une paire de sneakers à son image? Cette boîte est trop cool! Sneak Art, c'est la personnalisation des sneakers! Oh ah! En plus, il s'agit de la seconde génération de Sneak Art! Avant, dans la première génération, on utilisait des feutres, des pochoirs, des stickers. Alors que maintenant, dans la deuxième génération, pour personnaliser ces sneakers, on utilise le hydro-dyping! L'hydro-dyping, c'est un procédé unique qui utilise de l'eau et un filament de peinture pour appliquer des graphiques sur presque tous les objets 3D. Bon bah, on va tester tout ça. Dans la boîte, il y a 4 sneak art avec leur porte-clés. Il y a aussi 10 feuilles hydrographiques, 3 feutres de couleur, 2 feutres glitter, 3 feuilles de stickers, une bombe à spray et un manuel d'instruction. Bon, maintenant, je vais commencer à customiser ma chaussure. J'ai choisi cette feuille que je trouve la plus stylée. Je collais des bouts d'adhésif sur cette chaussure pour que quand il y aura de la couleur, il y aura des parties qui restent blanches. Maintenant, il me faut un grand bol d'eau très chaud. Je vais poser délicatement la feuille hydrographique sur l'eau. Il faut attendre 5 minutes pour que la feuille soit bien mouillée. Maintenant, je plonge la chaussure comme ceci. Le papier va se coller à ta sneaker que tu viens de plonger et le dessin va apparaître comme par magie. Il faut laisser la chaussure sécher sur du sopalin pendant minimum une heure. 1 hour later. Et voilà, ma sneaker customisée est terminée. J'ai rajouté des paillettes et des stickers. J'ai aussi dessiné sur certaines parties avec un feutre de couleur. Maintenant, je vais utiliser mon sneak art comme un porte-clés pour mettre sur mon cartable. Maman, j'adore personnaliser mes sneak art. C'est trop amusant, j'adore et en plus c'est trop cool. Merci beaucoup pour ce cadeau incroyable, je l'adore. Au revoir les copains et les copines, si vous avez bien aimé ma vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. Et pourquoi pas regarder plein d'autres vidéos. Au revoir mes kitties, kitty 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 love.